2, 1, partez! Même si la discipline est réputée être la plus difficile à moto, il est vrai que le trial est parfois fastidieux à regarder. Non pas que le spectacle ne soit pas au rendez-vous, mais habituellement c'est plutôt lent et les spectateurs doivent souvent faire preuve de patience. Habituellement, car le trial poursuite inauguré à Val d'Isère introduit enfin la notion de vitesse en plus du franchissement. En clair, il y a toujours des obstacles qui semblent impossibles à franchir, mais en plus c'est le premier arrivé qui a gagné. Premier, car la course se déroule sous forme de duel avec deux champions qui s'affrontent sur un tracé parallèle avec permutation et deux manches pour égaliser les chances. Évidemment, les règles du trial restent de mise et il ne faut pas poser le pied à terre ni chuter sous peine de pénalisation. Ce qui, croyez-moi, est loin d'être évident, les deux parcours tracés sur l'espace Kili présentant des zones déjà difficilement franchissables à pied. À ce petit jeu, c'est un Français, figurez-vous, qui s'est montré le plus rapide. Bruno Camozzi, sur une gaz-gaz, s'est imposé face au gratin du trial mondial. Et croyez-nous, avec lui, les bouquetins n'ont qu'à bien se tenir.